sommes ici sur le stand de Ribiland, ou plus exactement Ribimex, avec sa marque jardin Ribiland. Nous sommes présents au JDC depuis le début, c'est-à-dire depuis 13 ans. Nous sommes spécialistes en jardin, nous avons une gamme importante dans jardin avec des différents activités qui sont l'arrosage, qui sont la pulvérisation, qui sont les coupants, la motoculture, un petit peu dans tous les secteurs d'activité du jardin. Nous sommes distribués dans la distribution en général, dans la jardinerie, dans la GSA, dans la GSB et aussi sur les nouveaux sites de vente ou les secteurs de vente qui sont les sites internet, en livraison directe au domicile ou sur les grandes marque de site internet aussi. Nous présentons au JDC, comme d'habitude, toujours quelques nouveautés. Cette année, nous avons présenté le râteau à feuilles, qui est un râteau qui permet de ratisser d'une part, mais aussi et surtout de ramasser les feuilles sans avoir à se baisser, prendre des tours de reins ou avoir mal au dos, ou donc beaucoup pour les femmes, pour les hommes aussi bien sûr, mais pour les personnes d'un certain âge et pour tout le monde pour éviter de se baisser. C'est une nouveauté importante qui n'existait pas sur le marché. Nous avons aussi une autre nouveauté qui est dans le secteur barbecue ou cheminée, que je vais vous présenter maintenant. Il est en deux parties. Vous avez d'un côté l'allume papier ou barbecue. De l'autre côté, sans avoir à le monter, vous avez une soufflerie alimentée par deux piles LR6 qui permet de raviver les flammes du feu de cheminée ou les braises du barbecue. Et pour ne pas se brûler les mains, on peut le raccorder l'un à l'autre et le tenir comme ceci pour allumer donc le barbecue ou le raviver. Voilà aussi un produit important qui n'existe pas sur le marché. Ces deux produits sont de fabrication et d'invention italienne, donc européenne. Nous essayons de plus en plus de commercialiser ou de présenter ou de fabriquer des produits en Europe. Et pour ce qui est des produits tertiaires comme les nôtres, c'est principalement l'Italie. Voilà, donc nous sommes présents au JDC depuis longtemps. Elle se situe cette année, les journées des collections, un petit peu plus tôt que d'habitude. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour présenter les nouveautés. Donc nous avions ces nouveautés, mais nous ne les avons pas présentées au prix des nouveautés, car c'était trop tôt, bien sûr. Nous les présenterons bientôt sur d'autres concours. Voilà, nous espérons que ce salon soit bon. Les acheteurs sont venus, certains ne sont pas venus, grève d'avion, donc c'est un petit peu de malchance également. Nous verrons exactement demain soir ce qu'il en est, en tout cas pour le cru de cette année. Voilà, pour ce que j'avais à dire sur les nouveautés de ce salon.